Max, c'est vous? Où êtes-vous? Vous allez bien? Je suis dans l'avion. On va bientôt atterrir à Saint-Pétersbourg. André vous a appelé? Qui? Écoutez, Ostankovic a réussi à récupérer les tableaux. Il tiendra parole et vous laissera tranquille. Il nous laissera tranquilles tous les deux. C'est bien, mais je serai content quand j'aurai retrouvé mon frère. Il a fallu qu'on quitte d'urgence le monastère en Finlande et on s'est séparés. Attendez, de quoi vous parlez? Votre frère André? Vous me faites marcher! S'il vous plaît, Lara, arrêtez. Je ne suis pas franchement d'humeur, là. Mais Max, votre frère André est mort quand vous étiez petit. Vous m'avez montré le caveau familial l'an dernier. On a même allumé un cierge. Mort? Mais comment pourrait-il être mort alors que... Mais je suis... Vous êtes sûr que tout va bien? Je vais appeler Ostankovic pour qu'il vienne vous chercher à l'aéroport. Max, vous m'entendez? Max! Max! Max, tu m'entends? Max, ressaisissez-vous. Seuls les fous se perdent dans leurs rêves. Oubliez-les. Écoutez, c'est moi, André. Je dois aller voir ma tante. J'espère qu'elle va bien. Tu lui as parlé? Non, mais j'ai parlé au docteur. Max est hors de danger. Et toi, tu crois qu'il est sorti d'affaire? À chaque fois que j'ai essayé de t'enseigner ce que ta grand-mère nous a appris à ta mère et à moi, tu m'as rayonné. Et maintenant... Tu veux savoir? Tu n'as plus peur de la vérité? Le tarot n'est plus une vaste plaisanterie? Tu demandes des réponses à ta vieille folle de tante? Tout ça pour cet homme? Non, je n'y crois toujours pas. Je voulais seulement... Je ne sais pas... Oh pardon, je ne sais plus quoi croire. J'ai été injuste avec toi. Je suis désolée. Tu veux bien m'aider? Tu t'inquiètes beaucoup pour lui, n'est-ce pas? Au point de te mettre à croire au destin. Très bien. Tu vois la carte sur la table? Son destin est écrit là. C'est la carte qu'il a choisie. Il n'a pas voulu la regarder, mais son destin le rattrapera, quel qu'il soit. Non. Oh non, non, pas ça. La mort, la transformation. Si la mort est son destin, il n'y a pas d'autre issue. Je dois aller à l'hôpital psychiatrique. Il est en danger. Je dois le voir.